démarche, par sa manière de parler, sa manière de faire, tout lui appartient. Alléluia. Mais il a dit tout à l'heure que personne ne deviendra caillou sur la terre. On va mourir. Et arrivé là-bas, Dieu m'a demandé les comptes. Je t'ai envoyé là-bas, dans ce pays. Rends-moi les comptes. Quand tu es allé, n'as-tu pas entendu parler de Jésus? En ce moment, tu vas commencer à bégayer. Il va te montrer l'image de Béniel. Il dit, oui, voici tel jour, tu étais dans ce camp. C'est pas toi qui es assis là. Tu as dit, oui, Seigneur. Il dit, mais tu as entendu un évangéliste qui avait parlé, non? Et tu ne pourrais même pas dire non, parce que ça est là. Et tu vas dire, oui. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas changé ta vie? Pourquoi tu n'as pas changé ta vie? Pourquoi tu n'as pas marché selon ce que la parole dit? Et tu t'es conduit comme si la terre était pour toi. J'ai dit, la terre, c'est le diable qui règne sur la terre. La terre n'est pas pour les chrétiens. Alléluia. Mais le Seigneur a dit que nous allons nous imposer sur la terre. Il a dit à sa parole que nous allons dominer sur la terre. C'est pour ça que quand un chrétien est misérable sur la terre, ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit, la terre, tu vas assujettir la terre. La terre sera sous tes pieds. Et tu dois dominer. Donc, chaque matin que tu te lèves, tu dis, Seigneur, je suis la tête et jamais la queue. Alléluia. Amen. Je partais payer ma facture de CIE une année. Et j'arrive dans le rang, le monsieur, le rang était là, puis à l'arrière, et le monsieur me demande, un gars, un monsieur qui vient, monsieur, vous êtes la queue? J'ai dit non. Je ne suis pas la queue. Alléluia. Amen. Je ne suis pas la queue, je ne serai pas la queue. Amen. C'est bien sûr, je suis derrière la dame qui est devant moi. Mais moi, je ne suis pas la queue. Alléluia. Amen. Mais attends, normalement, quelqu'un aurait dit, je suis la queue, parce qu'il y a personne derrière, mais moi, je refuse ça. J'ai dit, je ne suis pas la queue. Mais monsieur, il y a personne derrière, vous me dites, bon, donc mets-toi derrière. Sinon, moi, je ne suis pas la queue. Il y a des choses qu'il faut jamais accepter. Alléluia. Alléluia. Parce que le langage, il est très important. La Bible dit que le frère de Jésus, le fils de Marie, qu'on appelle Jacques. Alléluia. Quand tu prends la Bible, lui, il a parlé de la puissance de la parole. Lui, tout ce qu'il a dit. Or que lui, c'est le frère de Jésus. Mais lui, il a écouté Jésus parler. Mais tout ce que lui il a écrit la puissance de la parole. Quand tu prends le livre de Jacques, tu vois, il dit, tout s'est fait par la parole et c'est la parole qui dirige tout. C'est pour te dire que tout ce que tu vas dire, tu dis toujours sur ta vie, ça s'accomplit. Alléluia. Si tu maudis toujours ton enfant, laisse-moi te dire qu'il ne faut pas t'attendre à un enfant qui sera heureux. Ou tu vas réussir. Tu dis, tu seras le dernier, tu ne vaux rien, tu ne connais rien, il ne connaîtra jamais. Alléluia. Alléluia. Bien sûr, de ta vie, le résultat viendra. Mais commence à le bénir. Commence à bénir ta vie. Chaque matin, je suis la tête. Je suis le premier. Je réussis. Je vais à l'avant. Je suis grand. Je suis merveilleux. Quand tu dis ces choses chaque matin, tu verras les choses vont commencer à bouger dans ton corps. Et ça va prendre vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à une autre action très importante. Et cette action, c'est ce qui va définir ta vie. La manière dont tu veux que le miracle se produise, c'est de cette manière que tu réagis par rapport à cela. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une prostituée. Et cette prostituée, tellement que tout le monde la rejetait. Et un jour, Jésus a été invité dans une maison. La prostituée a pris un parfum qui était cher. Alléluia. Amen. Et elle allait verser le parfum sur le pied de Jésus. Et elle a pris ses cheveux pour essuyer. Alléluia. Amen. Et comme tout. Comme toujours, il y a des traites. Quelqu'un qui était assis auprès de Jésus a dit, mais si on vendait ce parfum cher pour donner aux pauvres. Alléluia. Amen. Jésus lui a répondu, les pauvres, ils vont toujours exister sur la terre. Alléluia. Tu vas les trouver. Tu vas mourir. Ils seront toujours pauvres. Il y en a même, ils seront pauvres sur la terre. Même dans le ciel encore, ils seront pauvres. Parce que si dans le, sur la terre, tu ne donnes rien à l'éternel, il ne faut pas t'attendre à une richesse là-bas. Alléluia. Donc les pauvres, on va toujours les avoir. Donc ne t'occupe pas de ça. Mais celle-là, l'action qu'elle a posée, le monde entier parlera. Je veux que le monde entier parle de toi. Je veux qu'aujourd'hui, tu poses une action que tu n'as jamais posée. Que tu fasses une offrande que tu n'as jamais faite. Alléluia. Alléluia. Tu prends ton offrande et tu fais une offrande exceptionnelle que tu n'as jamais faite. Je sais ce qui te poursuit. Et tu es dans un camp où Dieu se manifeste. Où Dieu fait des miracles et des merveilles. Alléluia. C'est pour ça que je ne veux pas que tu te retiennes. Mais que tu poses une action pour dire, à ce événement, j'étais présent. Et j'ai posé une action qu'il ne fallait pas. Que je n'ai jamais posée. Et l'Éternel m'a délivré. Alléluia.
Est-ce que je peux compter sur toi? Amen. Est-ce que je peux compter sur toi? Amen. Parce qu'il y a des gens qui font des actions comme s'ils n'avaient pas de problème. Et quand tu sais que tu as un problème, il ne faut pas réagir à l'argent. Parce que si tu sais trop calculer avec le Seigneur, le monde calculera beaucoup avec toi. Pour le Seigneur, fais ta part et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu vas faire une offrande spéciale. Et ça, c'est la première offrande que nous avons faite. Tu as fait une offrande spéciale que tu n'as jamais faite. Mais je voulais demander, est-ce que je sais qu'il y a des gens ici qui ont expérimenté la gloire de Dieu en faisant des prières. Alléluia. Amen. Est-ce que deux personnes peuvent me lever les mains pour me dire tout à l'heure après ce que Dieu a commencé à faire dans leur vie depuis qu'ils ont mis les pieds ici? Alléluia. Amen. Avant que nous commençons les offrandes, est-ce que deux personnes peuvent me lever les mains? Je veux seulement que deux témoignent. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose pour toi, il ne faut pas fermer ta bouche. Il faut le dire. C'est en cela que l'Éternel augmente encore. Alléluia. Et je sais qu'en ce lieu du centre de prière, Dieu fait des grandes choses. Est-ce que je peux voir deux personnes qui vont lever les mains pour témoigner que oui, hier, voici ce qui me poursuivait, voici comment j'étais. Mais quand j'ai mis les pieds ici, puis j'ai rencontré son serviteur, oui, Joël Crasso, Shalom, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Est-ce qu'on peut trouver des personnes reconnaissantes tout à l'heure? Je veux deux personnes pour lever les mains. N'aie pas honte. On va t'aider dans ton témoignage. Donc si je comprends bien, vous n'avez jamais expérimenté la gloire de Dieu depuis que vous venez ici. Mais pourquoi vous avez honte et peur de dire, moi j'étais ceci, mais quand je suis venu ici, Dieu a fait cela. Sois honnête et franc devant le Seigneur. Je te le demande aujourd'hui de façon spéciale. Je veux deux personnes. Sinon nous on sait qu'il y en a trop. Trop. Mais je veux voir des personnes reconnaissantes. Lève la main. Lève la main. Tu as honte. Alléluia. Donc si je comprends bien, c'est qu'il n'y a personne. Vous venez ici, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut témoigner. Donc quand vous partez au dehors, vous ne témoignez même pas des bienfaits, des miracles de Dieu en ce lieu. Il n'y en a pas. Ou bien il y en a derrière, mais qui ne les voit pas. Deux personnes. Il y a la maman qui a levé la main. Il n'y en a pas. Le prophète même sera là tout à l'heure, il va vous voir. Vous qui ne levez pas la main là, parce qu'il sait que Dieu a fait les choses. Donc il va vous voir. Maman, que Dieu te bénisse. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, on a dit que Dieu n'a pas honte. Parler des bienfaits de l'Éternel. Si tu n'apprends pas à parler de ça dans la maison de Dieu, c'est pas au dehors que tu vas parler de ça. Alléluia. Mais commence à parler de ça ici. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui sont parmi nous. Quelqu'un a un problème. Mais quand tu témoignes que, ah, moi j'avais tel problème, mais quand j'ai rencontré son serviteur, Dieu m'a béni. Vraiment, Dieu a ouvert des portes pour moi. Celui qui vient à son point, c'est que je suis au bon endroit. Alléluia. Et ça grandit sa foi. Mais si tu ne parles pas, lui il pense que c'est un chien ou un amusement. Alléluia. Donc n'ayez pas honte. Témoignez. Chaque dimanche, prenez au moins une personne, deux personnes. Ça va galvaniser la foi des uns et des autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme je disais tout à l'heure, nous allons passer à une épreuve très importante qui est l'offrande. Alléluia. Ne te retiens pas. Donc, tu vas prendre une offrande spéciale. Je dis spéciale parce que c'est une offrande que tu n'aimes pas souvent donner. Souvent, tu aimes donner les 100 francs, les 200. Pourtant, tu sais que le sorcier qui te poursuit la lune, il a dépassé ça. Alléluia. Le diable qui est derrière toi a dépassé. Et puis tu fais une offrande comme si tu n'avais pas dit, comme s'il n'y avait pas de problème. Je ne m'en parle pas. Aujourd'hui, là, que ton offrande soit spéciale. Je dis bien spéciale. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu voudrait que ton offrande soit spéciale. Ce que tu prenais l'habitude d'aller pas plus ça. Il faut changer. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu vas te tenir debout avec ton offrande. Tu vas te tenir debout avec ton offrande. Je vais te donner une minute. Pendant que tu es debout, l'offrande en main, commence à prier sur l'offrande. Mets l'offrande vers ta bouche et tu parles. Ce que tu veux que Dieu fasse au travers de ta vie,
il faut dire cette offrande. L'argent a des oreilles. Donc il faut parler sur cette offrande que tu n'as jamais faite. Mais aujourd'hui que tu voudrais faire pour expérimenter la gloire de Dieu. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous avons le musical de continuer. On commence par la rangée de Marie. Venez. Tu es béni Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as dit d'apporter dans ta maison en fait de la nourriture. Jésus-Christ, nous te disons merci pour ces offrandes qui t'ont été données des bons cœurs de foi. Bénis Seigneur tous ceux qui t'ont porté ce matin. Tu viens dans cette personne. Bénis aussi ceux qui n'en ont pas eu, afin que la prochaine fois cette personne puisse l'avoir. Pour la seule gloire de ton nom, pour l'évolution de ton nom d'ici-bas, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux applaudir les gens? Alléluia. Vous savez, quand vous voulez faire des offrandes devant le Seigneur, vous n'avez pas l'habitude de venir comme ça, et puis tu jettes ton offrande dans ta soeur. Ça, c'est une malédiction. Même si tu as donné des millions, Dieu ne regarde pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certains, quand on dit offrande, ça leur dit rien. Ils ne considèrent même pas ça. Même s'il a 10 000, 20 000 mètres, ce qu'il a, mais allez, il arrive, il jette comme ça puissamment. On ne jette jamais.